Russie campé d'emblée dans opération yo dans pays Ukraine côté a mettre mon atè. Et bien c'est comme ça tout nous pas perdre du temps pour nous bon détail des informations ça. À la suite de une frappe de haute précision de un paquet de force aérospatiale russe sur un paquet unité de 81e brigade aéromobile tout près de ville de Kramatorsk dans République populaire de Donetsk côté plus que 220 militaires ukrainiens perdu la vie yo. Dans un paquet de quartier dans ville de Slaviansk et dans colonie Dozenoye, dans la République populaire Donetsk, yon paquet mercenaires étrangers touchés par Diffé. Plus que 100 militants moui. Yon paquet d'armes de haute précision de yon paquet force aérospatiale russe tout près de ville de Zaporozhye touché yon paquet position des groupes tactiques Chaïka. Ainsi que yon paquet point de déploiement temporaire de yon paquet bataillon nationaliste Kif, Denep et Gepard. Plus que 190 militants et 12 unités matériel militaire éliminés. Soldats russes sont passés dans une vitesse supérieure et maximale. Plus de détails. Comment nous y est? Ça fait nos pommes sur Route Asian. Nous faisons quand même content. Chaque fois que je vois une vidéo, je vous like. Et puis, vous partage. C'est des façons ça qu'on est capable de montrer qu'on aime le travail ça. C'est leur partager la vidéo ça. Et puis, vous like. Moi-même, je dis que vous aimez le travail là. Et je continue. Travail crédible sans voyer monter, chercher bonnes informations qui sont formelles et justes, de bonnes sources et des informations internationales pour vous-même qui toujours été connecté avec ou des chaînes. Moi, saluer chaque grand monde qui toujours coopéré dans le travail ça pour aider à partager, y'a like et puis abonner et puis commenter. Merci en pile, nous important pour travailler ça et saluer nous chaque là qui toujours été connecté. Y'a pas qu'elle frappe dans aviation opérationnelle et tactique et la meilleure. Yon paquet force de missiles et artillerie frappé. Yon paquet point de déploiement temporaire dans 59e infanterie motorisée et dans 63e brigade mécanisée de yon paquet zone de yon paquet colonie Benzimenoye et Ternovie. Ok? N'a parlé de région de Nikolaev. Pet ennemi yo élevé à plus que 130 militaires. Est-ce qu'on t'en décausé? Dans la zone Nikolaev, dans la région Nikolaev, il y a 130 militaires qui perdent la vie. Yon l'autre bord, 4 postes de commandement te touché pendant la journée. Côté gagné, 14e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes tout près ville de Vurechnaya, dans la région de Kharkiv. Gagné dans 9e régiment garde nationale tout près village Premimosnoye, région de Zaporozhye, ainsi que yon paquet postes de commandement de observation dans 2e et 3e bataillon dans 66e brigade mécanisée dans un paquet de zones de un paquet de colonies dans la région de Zaporozhye. 74 unités artillerie, main-d'œuvre et équipement militaire des forces armées ukrainiennes ont été supprimées dans 52 districts. 3 entrepôts de un paquet de munitions et armes de roquettes et artillerie ont été détruits dans un paquet de quartiers dans la ville de Zaporozhye. Un paquet de colonies de Mona Chinovka, région de Kharkiv et Donetsk, dans la République populaire de Donetsk. Un système de paquet missiles anti-aériens ukrainiens, Buk-M1, a détruit près colonie de Nikiforovka, dans la République populaire de Donetsk. Aviation de chasse, des paquets de forces aérospatiales russes, a écrasé un chasseur ukrainien MiG-29, dans un paquet lait, dans la zone de colonie et de Novozelovka dans la région de Nikolaev, ainsi que des forces aériennes ukrainiennes SU-25 dans un paquet de zones de un paquet de colonies de Vezioloye dans la région de Kherson et Kamishevka dans la République populaire de Donetsk. Est-ce qu'on entend qu'il va les dégâts que Russie a causé dans le moment dans le pays Ukraine? Un paquet de système de défense aérienne russe écrasé 19 machines aériennes sans pilote ukrainien par jour dans un paquet de zones de un paquet de colonies de Novaya, Kakovka, Tomarino, Novoyax, Chiakovoye, Miroliubovka, Baliyavka, un paquet d'autres zones encore dans la République populaire de Donetsk. Dans un paquet de zones de un paquet de colonies Plodove et de Novaya, Kakovka dans la région de Kherson, un paquet de système de défense aérienne détruit 42 roquettes du système de lancement multiple américain IMAS ainsi que Alde. Ça qui détruit depuis en l'air, d'après ça qui sortit dans le journal là.
Au total, depuis le commencement opération militaire spéciale, 298 avions, 155 hélicoptères, 2054 machines aériennes sans pilote, 376 systèmes de missiles anti-aériens, 5077 chars et un paquet d'autres machines blindées de combat, 844 lance-roquettes multiples, 3410 canons et un paquet de mortiers artillerie de campagne, ainsi que 5794 unités de machines militaires spéciales éliminées dans le pays Ukraine d'après Défense Russe. Russie a fait des gars dans le pays Ukraine, c'est mettre à mettre mon à terre, c'est détruire un paquet d'armes que fourni par Ukraine, c'est mettre à mettre mercenaires à terre dans le pays Ukraine. Bagaille compliqué tout bon vrai dans le moment actuel, côté boulon yo serré vrai. Soit bon côté Russie et bon côté Ukrainien yo. Mais dans le moment actuel, plus actualité qui gagne, c'est Russie qui a mis des soldats ukrainiens à terre, militaires ukrainiens, militants ukrainiens à terre et même mercenaires étrangers pas épargnés des frappes russes. Restez connectés avec vous les chaînes pour partager tout côté, like vidéo et puis abonnez-vous si vous n'avez pas fait ça.